Dans cette vidéo, nous allons voir 3 astuces pour payer son PC portable moins cher. 2 de ces astuces sont accessibles à tout le monde. En revanche, une astuce est un peu plus complexe et s'adresse notamment à des personnes professionnelles ou nécessite au minimum un tuto afin d'être expliquée. La première solution est abordable par tous et consiste à ne pas acheter Windows avec son PC. Que ce soit Windows 11 ou Windows 10, généralement les fabricants des PC et les magasins ajoutent 300€ de plus pour une licence qui peut être trouvée chez un revendeur pour uniquement 99€. Si votre PC n'est donc pas vendu avec Windows, vous pouvez réaliser un gain d'économie et ce considérablement. La deuxième méthode qui s'adresse à tout le monde est de profiter des promotions. En effet, le Black Friday ou les soldes sont des promotions accessibles à tous et les PC sont durant ces promotions à des prix cassés. On peut retrouver des promotions entre moins 300€ voire jusqu'à moins 50% sur les PC. La méthode un peu plus complexe mais qui s'adresse à tous est lors de l'achat de votre PC, il est conseillé d'opter pour une seule barrette de 8Go de RAM dans le PC et d'en rajouter une manuellement. Il faut évidemment avoir les connaissances nécessaires afin de ne pas abîmer sa nouvelle configuration. Néanmoins, c'est une manipulation assez simple et qui vous fera économiser énormément. Puisqu'en effet, sur les PC portables, ce n'est pas comme sur les PC fixes et les RAM sont plus compliquées à changer, donc les constructeurs et les revendeurs augmentent les prix des ordinateurs. On peut notamment constater que entre 8Go et 16Go de RAM, l'écart de prix est important sur le commerce. Nous avons donc vu 3 astuces pour payer son PC portable moins cher et si vous voulez connaître les meilleurs PC rapport qualité-prix de 2023, une vidéo se trouve dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter et à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.